Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information, alors je vous invite à les suivre jusqu'à leur terme. Tout de suite, les titres. Les examens du baccalauréat se tiendront jusqu'au vendredi 13 août après-midi cette année, suite à l'introduction de l'épreuve sciences économiques et sociales dans le programme scolaire. Ce sont surtout les candidats ayant opté pour la série OSE qui vont obligatoirement faire cette matière aux examens. L'adoption des deux projets de loi de PIC 2 et PIC 3 autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif à leur financement est fixée pour ce mardi selon l'adoption de l'ordre du jour du Sénat. Les autres projets de loi proposés par le gouvernement devront aussi être adoptés par l'Assemblée nationale d'ici la semaine prochaine avant d'être transmis au Sénat. La réhabilitation de la route nationale 13 reliant Ius à Tolagnar ne figure pas parmi le projet d'infrastructure routière financé récemment par la Banque mondiale. Des budgets seront déjà classés pour la réalisation de ces travaux selon les techniciens auprès du ministère des Travaux publics. Et à l'étranger, le projet de loi visant à contrer la flambée de l'épidémie de Covid-19 avec l'extension controversée du pass sanitaire attend jeudi le verdict du Conseil constitutionnel. Et maintenant, place aux détails de nos informations. Les examens du baccalauréat se tiendront jusqu'au vendredi 13 août après-midi cette année, suite à l'introduction de l'épreuve des sciences économiques et sociales, ou SES, dans le programme scolaire. Les candidats ayant opté pour la série OSE vont donc devoir composer cette matière aux examens. D'après le ministère de l'Enseignement supérieur, les préparatifs sont fin prêts pour cet examen national qui débutera le lundi 9 août 2021. Reportage de Mamtina Anjemloul et d'Omega Hanefton. L'introduction de la matière des sciences économiques et sociales, ou SES, a été effective depuis cette année scolaire 2021-2022. Jusque-là, ce sont surtout les écoles publiques qui ont intégré cette nouvelle matière d'après une directrice d'école privée. Et comme la matière SES ne figurait pas encore dans leur programme, leur établissement n'aura pas encore de candidat pour la série OSE. D'ailleurs, aucune décision n'a encore été prise sur le caractère obligatoire ou non de la matière SES pour les autres séries, et ce, même si elle figurait dans l'emploi du temps des examens. En effet, les matières SES est surtout réservée à la nouvelle série OSE selon les statistiques reçues auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. 2729 candidats ont opté pour cette nouvelle série OSE avec un coefficient 6 pour une composition de 2 heures ou de 4 heures aux examens. Même les sujets prévus pour cette matière différents suivant les 3 séries au baccalauréat, selon les précisions. Il en résulte également une extension de l'emploi du temps des examens du baccalauréat jusqu'à vendredi 13 août 2021 après-midi, où les épreuves de SES se tiendront de 13h30 à 15h30 pour les séries L et S et de 13h30 à 17h30 pour la série OSE. À jour J-3 des examens proprement dit, les préparatifs sont achevés à 100%. Les sujets et feuilles d'examen sont déjà arrivés auprès des Cisco et ont été sécurisés auprès des forces de l'ordre. Tous les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur se sont déjà déplacés dans les régions pour superviser le déroulement des examens. D'après les statistiques, le nombre de centres dans tout Madagascar est de 435, dont 167 à Antananarivo. Une hausse de 19,5% du nombre de candidats a également été enregistrée.
Sur la page politique maintenant, les sénateurs ont procédé à l'adoption de l'ordre du jour au niveau de la Chambre haute, ce qui découle que deux projets de loi seront d'abord adoptés. Il s'agit notamment du projet de loi numéro 013/2021 du 28 juillet autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement de la phase 2 du projet PIC 2 sur l'énergie, conclu le 4 mars 2021. Et du projet de loi numéro 014/2021 du 28 juillet 2021 autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet PIC 3 conclu le 21 juillet dernier. Leur adoption est fixée ce mardi selon l'ordre du jour établi. Les autres projets de loi proposés par le gouvernement devront aussi être adoptés par l'Assemblée nationale d'ici la semaine prochaine avant d'être transmis au Sénat. D'après les explications du directeur du cabinet du Sénat, les sénateurs ont souligné que l'adoption de ces prêts de PIC 2 et PIC 3 est vivement attendue. Le vice-président du Sénat, Imbiki Irlaz, a dirigé la session plénière pour l'adoption de l'ordre du jour au Sénat. Il est important que les autorités compétentes soient mises au courant des réalités de la population selon les députés élus localement. Ces derniers sont donc de passage dans la capitale et prévoient une série de rencontres avec différents ministres pour discuter du développement de leurs districts respectifs. Après avoir entamé des discussions avec le ministre de la Santé publique, ils continueront donc leur concertation avec d'autres ministres. D'après les explications recueillies par Narine Jatine et Fecha Ndjiamananzar. Les élus dans la région d'Yourumbe sont arrivés dans la capitale dans le but de discuter et d'exposer aux autorités compétentes les problèmes rencontrés par la population locale. Ces difficultés concernent entre autres le manque d'infrastructures et de domaine social. En tant qu'élus, il est de notre devoir de faire connaître aux dirigeants les besoins et les attentes de la population au sein de la région, a fait savoir le député élu sur les lieux. Le but étant de pouvoir établir un développement durable au niveau de chaque commune d'après les explications. Ces élus du district d'Yourumbe ont aussi manifesté leur volonté de collaborer avec l'exécutif pour soutenir les efforts déjà entrepris par le président de la République afin de l'appuyer dans la réalisation de ses programmes de Villeran. Une première rencontre a donc été entreprise entre ces élus d'Yourumbe et le ministre de la Santé publique et s'en suivra auprès d'autres ministères. Eux qui n'ont pas manqué de contredire les rumeurs circulant sur leur intention de critiquer, voire de ternir l'image d'une personne ou d'un groupe de personnes, leur visite dans la capitale se focalise en effet sur le développement de toutes les communes dans la région d'Yourumbe, afin que cette dernière devienne l'illustre exemple de réussite des projets présidentiels, d'après les explications. Et je vous disais en titre, la réhabilitation de la route nationale 13 reliant Eyous à Toulagnar ne figure pas parmi les projets d'infrastructure routière financés par la Banque mondiale. Des budgets spécifiques sont déjà prévus pour la réalisation de ces travaux selon les techniciens auprès du ministère des Travaux publics. Ce jour, lors du travail de commission sur l'étude de ce projet, le député élu dans le district de Béchouk, Nicolas Ranjenasoul, de déplorer que depuis l'indépendance du pays, ce district n'a jamais bénéficié de projets réalisés à travers les financements. Alors que selon lui, la population de Béjouka figure parmi ceux qui remboursent ses prêts. La réhabilitation de cette route nationale garantit le développement de ce district, affirme-t-il. Ne serait-ce que pour l'économie, dans la mesure où le bon état des routes attirera davantage les investisseurs sur les lieux. En évoquant ces problèmes, ce député de rassurer la population de Béchouk que d'ici deux mois, les travaux de réhabilitation de la RN13 débuteront, même si cela ne figure pas à travers le budget de financement accordé par la Banque mondiale. Autre forme d'actualité, le varroa continue encore son ravage jusqu'à présent. Selon les apiculteurs, ces derniers se plaignent de ne récolter
que 1000 litres de miel par an contre 4000 litres auparavant. L'insecticide permettant de lutter contre cette parasite coûte cher et la plupart des apiculteurs n'ont pas les moyens nécessaires pour s'en provisionner, d'après toujours leurs explications. À part le varroa, la dégradation de la forêt ainsi que le changement climatique impactent aussi négativement l'apiculture. Inch'Allah Larsou, Omega Ranevdan. Le miel multifloral et le miel de baobab commencent à se faire rares actuellement selon les apiculteurs. Or, ces types de miel sont réputés de bonne qualité. Mais la baisse de la production affecte tous les types de miel en général en ce moment. Une situation engendrée d'une part par la propagation de la maladie de varroa dans les ruches. Cette espèce d'acarien parasite attaque l'apiculture locale depuis des années. L'insecticide permettant de l'éliminer est vendu à Madagascar, mais il coûte assez cher par rapport aux moyens des paysans selon un apiculteur. Les distributeurs de ce produit doivent l'importer de l'étranger, d'où ce prix devenu onéreux selon les informations reçues. Certains apiculteurs décident même de baisser les bras face à la destruction engendrée par le varroa par manque de moyens financiers. Mais à part cette maladie, la déforestation qui ne cesse de faire ravage dans le pays fait également partie des causes de cette baisse de la production de miel. Les autorités devraient sanctionner sévèrement les auteurs de la déforestation et prendre des mesures strictes afin de replanter les espaces boisés auparavant. Outre ces deux causes, le changement climatique impacte également la production de miel dans le pays, d'après toujours les apiculteurs. Contre 4000 litres par an auparavant, un apiculteur ne récolte plus qu'environ 1000 litres par an actuellement. Malgré la baisse de la production, ces apiculteurs n'augmentent pas leurs tarifs dans le souci d'épargner les consommateurs qui sont aussi dans le besoin en cette période de crise selon leur dire. Et maintenant, place aux actualités internationales. En France, le projet de loi visant à contrer la flambée de l'épidémie de Covid-19 avec l'extension controversée du pass sanitaire attend jeudi le verdict du Conseil constitutionnel. Les détails avec nos confrères de France 24. Valider le texte ou non, en censurer certaines dispositions, le sort de la loi sanitaire est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Verdict des sages ce jeudi, mais l'Élysée se montre confiant. Nous ne sommes pas inquiets car nous estimons que le texte est équilibré et il a obtenu un avis favorable du Conseil d'État. Ce texte est donc adopté. Le projet de loi a été voté le 25 juillet dernier par l'Assemblée nationale et le Sénat. L'exécutif espère que le texte entrera en vigueur dès le 9 août. Mais si la vaccination obligatoire pour certaines professions comme les soignants a fait consensus, l'extension du pass sanitaire à de nombreux actes de la vie quotidienne divise autant dans la sphère politique qu'au sein de la société. Se munir d'un document attestant de sa vaccination ou du dernier test PCR effectué, beaucoup de Français s'y opposent catégoriquement. Ils étaient des centaines de milliers dans la rue ces dernières semaines. Nous, on est pour le libre choix, en fait, que ceux qui veulent se faire vacciner le fassent, mais qu'on n'impose pas ça aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Tout simplement, le libre choix. On va avoir les vaccinés et les non vaccinés, ceux qui ont le pass, ceux qui ne l'ont pas. Et comment ça va se passer? Si, je sais pas moi, mon père veut le pass sanitaire et mes enfants n'en veulent pas, ça va pas le faire. Autre volet de la loi, très critiqué aussi, une disposition ouvrant la voie à un licenciement des salariés réfractaires au pass sanitaire dans des structures recevant du public. Il incombera à l'employeur de veiller au respect de la législation. En l'absence de contrôle, il s'exposerait à des condamnations. Les inondations et les glissements de terrain sont courants pendant la saison des moussons en Inde, de juin à septembre, provoquant des catastrophes. Le changement climatique a renforcé les précipitations, selon les experts. Plus de 250 000 personnes ont dû quitter leur domicile. Des barques en pleine rue de Calcutta ont permis aux habitants d'évacuer. France 24. Distribuer un peu de nourriture, mais aussi évacuer les plus vulnérables. Dans les rues de Calcutta, l'armée et la sécurité civile indienne peinent à faire face à l'urgence.
Selon les autorités, les inondations de ces derniers jours ont fait plus d'une dizaine de morts et ont forcé plus de 250 000 personnes à quitter leur foyer. Même une fois une embarcation trouvée, les précipitations sont telles qu'il faut souvent écoper pour éviter de couler. L'ouest et le centre du pays sont particulièrement touchés. Plusieurs barrages, des ponts ont été endommagés. Les hélicoptères de l'armée sont parfois les seuls à pouvoir accéder aux zones sinistrées. 40 centres d'accueil ont été établis, mais de nombreuses localités restent totalement isolées. Depuis la mi-juillet, inondations et glissements de terrain provoqués par la mousson ont officiellement déjà fait plus de 250 morts. Pour certains experts, le changement climatique affecte la durée et la puissance de ce phénomène annuel. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon programme sur TV+, Madagascar. Au revoir.